coucou! Alors bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau vlog en direct de la studio mobile pour faire changement. J'ai vraiment pas eu l'opportunité de vous prendre hier pour ouvrir le vlog, donc me voici en ce mardi automnal, tout à fait typique de la rentrée, tout simplement pour lancer une nouvelle semaine de lecture avec vous. Alors, au menu cette semaine, aucune idée quoi! Mais finalement, ce matin, j'hésitais entre deux livres audio, ça va être des suites de séries cette semaine. J'hésitais entre le tome 4 de la série Love Day and Rider et c'est, je pense, A Fatal Secret. Et le tome 2 de la série Erika et Patrick de Camilla Läckberg. Et finalement, on dirait que j'étais comme plus dans le mood pour un Camilla Läckberg. Donc, j'allais avec le prédicateur et j'ai commencé. Je viens tout juste de commencer. J'ai pas lu le résumé parce que ça me tentait pas. Des fois, on en dit beaucoup dans le résumé. Mais en gros, on va retrouver Erika et Patrick. Un peu plus tard, après le tome 1, je vous dirai pas trop de détails sur la vie personnelle de chacun de ces personnages parce que ça pourrait vous divulgâcher le premier tome. Mais dans le fond, on a encore une enquête qui va arriver sur le bureau de Patrick parce que son boss est toujours aussi non proactif, disons, paresseux. Et il va décider que c'est Patrick qui va faire tout le travail. Alors voilà, c'est une enquête qui commence par la découverte sordide, en fait, d'un cadavre de femme nue. Par un petit garçon qui allait jouer dans une faille rocheuse qui est dans la ville ou le village où Patrick est officier de police. Et ce corps-là a été retrouvé non seulement là, décédé, mais c'est un corps de femme. Et il était sur deux cadavres, deux ossements, dans le fond, différents de cadavres. Et plus de peau, là, juste les ossements. Et donc, ça s'annonce un peu complexe. Cette intrigue-là se déroule en plein été en Suède dans la saison touristique. Cette section-là de la Suède est une section où il y a beaucoup de touristes qui sont là, donc j'imagine que ça va un peu compliquer les démarches, mais bref, voilà où j'en suis, donc tout juste au début de l'enquête. Alors j'ai bien hâte de retrouver les personnages que j'avais bien aimé découvrir dans le premier tome. Alors, ben voilà, c'est tout. Je fais ça rapidement parce que je suis arrivée un petit peu en avance au boulot, donc... Je voulais vous dire un petit coucou avant. Et puis, sinon, si j'ai la possibilité de vous reprendre, soit aujourd'hui ou demain, je vais peut-être vous parler de... J'ai décidé de faire un petit peu de classement, de prise de conscience de ma pile à lire. Pas dans le sens pour paniquer ou pour la réduire, mais juste parce que des fois, on dirait que je perds un petit peu de vue ce que j'ai. Et puis, j'ai déjà utilisé dans le temps, moi, des applications pour recenser les livres que j'avais dans la bibliothèque à la maison. J'utilise pas Goodreads pour ça, j'utilise Goodreads pour... recenser mes lectures, mais pas nécessairement ce que j'ai en main, et ni mes listes de souhaits. Mais j'ai comme trouvé finalement une nouvelle application, donc je vais peut-être vous en parler un peu plus. Là, évidemment, c'est mes recherches à moi qui ont fait ça, donc j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui se faisait. C'est pas du tout... je suis pas du tout commanditée pour ça, là. C'est peut-être que vous avez des expériences par rapport à cette application-là, puis que vous allez avoir envie de m'en parler. Mais je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, puis... en même temps, j'en ai profité pour faire peut-être un petit unhaul de quelques livres. Là, c'est pas énorme, mais je vais peut-être vous montrer tout ça un peu plus tard. Bref, c'est potentiellement ce qu'il y a au menu cette semaine. Et tout dépendant de ce sur quoi je tombe, il y aura sans doute des petites surprises littéraires, j'imagine, au fil des découvertes. Alors sur ce, on se dit, allez, on se lance! Alors, bonjour, me voici. Petit coucou du vendredi, rendu maintenant un classique, avant d'aller au boulot. Tout d'abord, pour vous parler de la lecture que j'ai terminée hier soir, le fameux tome 2 de la série de Patrick et Erika de Camilla Läckberg, et c'est Le Prédicateur. Et ma foi, j'ai vraiment adoré. Je pense que j'ai préféré, je pense, celui-là à La Princesse des Glaces, qui est le tome 1. J'ai vraiment aimé ça. L'écriture est fluide. J'ai retrouvé les personnages avec... avec joie et tendresse, et voilà, donc les deux personnages principaux, donc l'inspecteur Patrick Hedström et Erika, je me souviens plus de son nom, qui sont encore une fois mêlés à Fjällbacka à une enquête tortueuse, sinueuse, remuante. Je vais pas vous en dire trop sur les enquêtes parce qu'il y a quand même des évolutions au fur et à mesure des livres. Par contre, les enquêtes, c'est vrai qu'elles sont quand même fermées. Donc, je me souviens plus ce que je vous avais dit au départ, mais
Ah oui, je m'en souviens. Je vous avais dit que il y avait eu le début de l'enquête, c'était qu'on avait retrouvé le cadavre d'une jeune femme qui semblait avoir été torturée et assassinée. Et sous elle, il y avait le cadavre de deux autres... les squelettes de deux autres personnes, visiblement, qui étaient décédées. Et l'enquête s'est lancée là-dessus. Et éventuellement, dans toute l'enquête, on va finir par apprendre à connaître mieux, toutes les ramifications d'une famille qui semble vraiment tourner autour de toute cette intrigue-là. Et également, ça ne va pas nous laisser du repos parce que malheureusement, il y a des disparitions qui vont de nouveau arriver après le cadavre de la première jeune femme. Donc, il y a une espèce de course contre la montre à essayer de trouver est-ce que les disparitions sont liées au cadavre qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a encore des chances qu'on sauve peut-être la jeune fille qui vient de disparaître et tout ça. Il va y avoir énormément de pression pour l'inspecteur Patrick Edstrom dans un contexte dont je ne vous parlerai pas, comme je vous dis, parce que je ne vais pas vous divulgacher. Dans le fond, quand je vous dis les enquêtes, comme je vous disais, les enquêtes sont indépendantes, mais l'évolution des personnages principaux ne l'est pas. Donc, c'est sûr que si je vous parle de trop de détails des personnages principaux, ça va vous divulgacher certains éléments intéressants des tomes précédents. Donc, il y a un contexte particulier personnel qui fait en sorte que... il est un peu déchiré entre le travail et sa vie personnelle. Donc, ça sera pas évident. Puis en plus, comme d'habitude, il est là, il agit. Il fait comme tout le travail au nom de son boss qui lui s'emmerde un peu puis prend un peu tous les lauriers. Quoique ça aussi, on dirait que c'est en train de potentiellement changer. Vous verrez bien. Donc, j'ai énormément apprécié. Est-ce que ça a été un coup de cœur? Je ne sais pas, parce que c'est quand même une suite de séries, mais j'aurais presque tendance à dire que c'était sur la limite. Là, j'ai vraiment mis 4 étoiles sur 5, mais c'est juste parce qu'en fait, les sujets, j'ai toujours la misère à mettre 5 sur 5 sur un... En même temps, bon, sur un roman policier, là, mais je peux. C'est sûr que si je m'attends pas du tout à la fin et tout ça, ça va aller. C'est le cas, j'ai quand même eu quelques soupçons, mais c'est pas trop troublant. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'à date, c'est vraiment comme... J'adore cette plume-là, j'adore cette série-là, à rebours, parce que, pas à rebours, mais en retard sur tout le monde de Camilla Lacbia, ça fait des années qu'elle roule, c'est juste moi qui est super en retard. Et puis, j'ai toujours pensé que c'était pas pour moi, c'est étrange la perception que j'avais, bien, premièrement des polars nordiques, mais, et particulièrement de Camilla Lacbia. Puis là, j'ai comme réalisé que les polars nordiques, c'est comme dire que, disons, les romans policiers sont pas pour moi, alors qu'évidemment, il y a différents types de romans policiers, donc certains types peuvent être pour moi, d'autres non. C'est la même chose avec les polars nordiques. Les polars nordiques, ça veut juste dire qu'ils sont écrits par des auteurs qui vivent dans les pays scandinaves la plupart du temps, dans la majeure partie des cas. Donc, est-ce qu'on est défini par notre origine? Pas nécessairement. C'est sûr que le polar suédois, comme dans Camilla Läckberg, a quand même laissé une certaine signature typique à travers le temps, dans le genre d'intrigue, le rythme qui est là, qui est souvent un rythme qui est plus lent, mais pas lent. Pas lent comme dans Contemplatif. Mais je dirais qu'il prend le temps de bien installer le contexte. Moi, ça m'a jamais marqué comme étant un rythme lent. C'est peut-être parce que je suis une grande fan d'Elizabeth George, de Fred Vargas, qui sont deux autrices qui prennent elles aussi le temps de bien installer, qui font ce que j'appelle la littérature policière et non pas nécessairement un thriller. Donc moi, ça a été moins un clash pour ça. Donc tant mieux, peut-être que finalement, c'était quand même un style qui peut m'intéresser. L'autre préjugé que j'avais par rapport à certains polars nordiques, c'est que c'était très sombre, très sans espoir, très glauque, ce qui n'est pas faux de plusieurs auteurs scandinaves. Donc, c'est pas nécessairement parce que c'est des polars nordiques, c'est juste qu'eux autres se lancent là-dedans. Par exemple, je pense pas que je suis vraiment capable de lire du Joe Nesbø, peut-être. Mais... par contre, Camilla Läckberg, vraiment, puis je remercie encore une fois la bibliothèque de Laurie qui a fait un petit topo sur les polars nordiques, très simple, tout bien résumé, c'était une libraire, on voit, et qui avait dit qu'en fait, Camilla Läckberg, elle considérait toujours que c'était une bonne porte d'entrée pour le polar nordique, et je suis totalement d'accord, en fait, après avoir tenté le coup, c'est pas trop, même dans les moments où on va... souvent, dans celui-là, en tout cas, elle fonctionne beaucoup avec le déroulement en temps réel et on a certains moments qui se passent dans le passé parce que c'est une enquête qui fait référence aussi à des, comme on a trouvé des squelettes qui semblent être là depuis longtemps. On a aussi comme un parallèle avec peut-être ce moment-là dans le passé. Et c'est peut-être là où c'est un peu plus glauque, mais c'est pas une plume qui va s'apesantir sur les parties qui pourraient être complètement insupportables d'horreur et tout ça. Elle va l'évoquer, c'est suffisant, puis elle arrête rapidement, ce qui fait qu'on a le mouvement d'émotion, mais ça se termine là.
pour moi, c'est parfait. Donc, comme je disais, merci à la Bibliothèque de Laurie de m'avoir donné le goût d'essayer. Et ça date, ça fonctionne très bien. Alors, je confirme jusqu'à maintenant sa théorie. Et ensuite, évidemment, Triple L de Mag, qui était comme en mode démocratisation du polar nordique, en mode arrêtons de dire que le polar nordique, c'est pas pour nous. Ça m'a vraiment permis, avec son défi polar nordique de cet été, de comme dire, ben, je vais essayer. Puis je trouverai des auteurs là-dedans comme que j'aime et d'autres que j'aime pas, comme dans tous les genres. Donc, puis c'est comme là que j'ai découvert Ragnar Jonasson, que j'aime finalement. J'étais restée avec Arnaldur Indridason, puis même celui-là est vraiment trop glauque pour moi. Triple L de Mag en parle également un peu de cette façon-là, mais moi j'avais déjà déterminé ça, j'avais déjà commencé en Arnaldur Indridason, c'était trop pour moi. Mais Ragnar Jonasson, pour moi, c'est mieux dosé pour ma sensibilité à moi. Puis j'ai évidemment découvert Jørn Lierhorst, un Norvégien, dont j'ai hâte de poursuivre la saga également. Donc, je suis super contente. En fait, ça m'a vraiment ouvert une autre porte vers des possibles lectures qui me plaisent. Puis nos goûts évoluent. J'ai pas toujours été dans ces moods-là. Là, en ce moment, on dirait que je suis dans ce mood-là. Donc, tant mieux. Alors voilà, pour le tome 2, c'est tombé chaotique, mon affaire, comme souvent les vendredis matin. Donc, le tome 2 de la série de Patrick Elstrom et Erika de Camilla Läckberg, Le Prédicateur, pour moi, c'est excellent. Donc, n'hésitez pas, même si vous considérez que c'est pas nécessairement votre genre, vous pouvez toujours essayer quand même. Ça vaut le coup, même pour les petits cœurs sensibles comme moi. Donc, voilà, je suis bien contente. Puis, je me retiens un peu à quatre mains de ne pas poursuivre. C'est vraiment à ce point-là des personnages que j'ai goût de retrouver. Comme j'ai goût de retrouver le duo Loveday et Ryder dans Faith Martin, même si c'est un petit peu plus... on est moins dans le glauque pour le Loveday and Ryder, on est vraiment dans le British Crime, mais ça reste quand même que ces deux personnages tellement bien définis, un duo tellement bien défini, puis tellement un peu improbable que c'est intéressant de le retrouver. Donc pour moi, c'est le même genre d'attachement que je vais avoir, comme je vais avoir avec le duo de Delilah et Samson dans la série des détectives du Yorkshire, Dale Mystery de Julia... J'ai un blanc. Chapman! Bon. Donc, il y a plein de duos comme ça, puis je me rends compte qu'ils sont pas nécessairement tous dans le même genre. Ce qui me parle, moi, c'est beaucoup les duos d'enquêteurs, donc je suis peut-être prévisible, mais c'est comme ça. J'aimais beaucoup Elizabeth George parce qu'il y avait un duo d'enquêteurs, Linley et Evers. Par contre, j'aimais beaucoup Fred Vargas, qui était plus sur Adamsberg, mais en même temps, il y a souvent toujours Danglars qui est là. Donc, tout ce qui... C'est des structures classiques, vous allez dire, des archétypes. On a souvent quelqu'un qui est un petit peu plus atypique comme tempérament, puis quelqu'un d'autre qui est plus down to earth. Donc, on est même presque dans les archétypes du clown. Donc, parce qu'il y a souvent un clown blanc, puis un clown rouge. Donc, quelqu'un qui est super sérieux, puis qui est un peu un faire-valoir de... qui comme représente la voix de la raison, puis un clown rouge qui est celui qui écoute pas trop les règles, puis qui essaie plein d'affaires. Le bien et le mal, je sais pas, Aziraphale et Crowley. Mais oui, j'en viens encore là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire que ça vaut la peine d'explorer dans les polars si jamais ça vous dit. Faut vraiment pas se gêner. Donc là, écoutez ce que je pense faire. J'ai essayé plein de trucs, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai vu qu'il y avait Je recommence. sur Next Story, j'ai vu qu'il y avait le tout nouveau Jean-Baptiste Andrea, Veillée sur elle, que j'avais vu passer chez Flow and Books, puis ça me tente vraiment de lire. J'aime beaucoup, beaucoup cette plume-là, mais il faut que je sois assez solide émotivement pour lire de Jean-Baptiste Andrea. Parce que... Alors, me revoilà, excusez-moi, il y a eu une petite fuite de mes écouteurs, parce que j'essaie de les garder avec vous, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de sons autour de moi dans la maison, donc je crois que quand j'ai les écouteurs avec micro, c'est un peu moins pire pour vous. Donc, ce que je disais Jean-Baptiste Andrea. Donc, il y a le fameux Veiller sur elle, qui est en livre audio, puis j'avais vraiment le goût de le lire. Nous autres, ici, il n'est pas encore disponible au Québec en livre, donc on dirait que ça me tentait de le lire en avance, mais ça me prend vraiment un mood plus solide et serein au niveau émotif pour lire du Jean-Baptiste Andrea. Donc, je l'ai quand même mis potentiellement sur mon Next Story. J'ai également emprunté le suivant des Jørn Lierhorst traduit, parce que ce soit en anglais ou en français, vous le savez, ça, les Jørn Lierhorst, c'est un auteur norvégien, dont c'est la série des William... Non, c'est Wisting, je pense, Inspecteur Wisting. J'ai un blanc. Et en fait, les tomes 1 à 5 ou 1 à 6... Je vais jouer avec mon oreillette encore. Les tomes 1 à 5 ou 1 à 6 n'ont pas été traduits, ni en anglais, ni en français. À partir du tome 5, je crois, en anglais, a été traduit.
puis à partir du tome 6 en français. Fait que là, je serais rendue à, en français, fermé pour l'hiver ou close for winter, je pense, en anglais. Mais je vais lire en français, je pense, parce qu'il est traduit directement du norvégien. Donc, moi, quand il n'y a pas des traductions croisées, là, parce que des fois, c'est ça. Des fois, ils traduisent, dans le fond, de la version anglaise qui était traduite du norvégien. Donc, ça, j'aime moins ça. Mais là, celle-là est traduite directement, donc je vais peut-être essayer. Il y aurait celui-là qui me tenterait bien. Je pourrais retrouver des personnages encore que je viens tout juste de découvrir, mais que je pourrais quand même bien faire ça. Sinon, j'aurais la possibilité comme d'aller avec ce que j'avais dit peut-être, le tome 4 du Love Day and Rider de Faith Martin, que j'ai déjà de près aussi. Je me suis un petit peu lancée dans les emprunts aussi en ligne, donc je suis bien intriguée par la série des Magpie Murder de Anthony Horowitz. Ça m'intrigue. Anthony Horowitz, j'avais vu plus pour dans le jeunesse pour des livres un peu à mission, espionnage, MI6 et tout ça, pour les ados. Donc, je savais pas trop, je n'en ai jamais lu, puis ça m'aurait peut-être tenté de découvrir ça. Donc, j'ai la possibilité de l'écouter aussi en livre audio, le premier tome de cette série-là. Mais je sais pas si je vais être dans le mood pour ça. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait un Fabrice Caro, donc qui est sorti, qui est journal d'un scénario. Est sorti en livre audio également sur Nextory. Puis ça, ce que j'aime avec les Fabrice Caro, c'est que c'est comme vraiment court. Comme là, je pense que c'est un livre audio de comme 3h45. Ce qui fait que je pourrais comme le commencer aujourd'hui puis l'avoir terminé demain juste dans mes déplacements tout en lisant d'autres choses en parallèle. Donc, il y a toujours ça qui m'intéresse. Puis le Fabrice Caro, bien, on est toujours dans le côté super plume, ironique, absurde, sympathique. Donc, des fois, ça peut aider aussi, dépendant du mood dans lequel on est. Fait que peut-être que je vais me lancer là-dedans. Je ne sais absolument pas. Comme d'habitude. Alors, sinon, je vous avais promis, j'allais vous parler de potentiellement une application que j'utilise tout récemment, que j'ai décidé de, en regardant, là, pour gérer un peu qu'est-ce que j'ai dans mes bibliothèques qui en entendent dans mes rayonnages que j'aimerais lire, qui sont à la maison. Et en fait, c'est l'application BookBuddy. Comme je vous disais, c'est moi qui ai découvert ça par moi-même. J'ai pas été approchée par la compagnie. Puis jadis, j'utilisais ce type de logiciel-là pour gérer ce que j'avais à la maison sur mon ordi. Mais comme maintenant, on est rendu vraiment dans un autre, un autre niveau, faut qu'on ait accès de façon portable à tout ça. J'ai trouvé que c'était intéressant ce BookBuddy. Je vais vous mettre en même temps, je vais vous montrer un petit peu, peut-être ici, je vais mettre une petite vidéo. Là, j'ai fait l'exemple d'ajout d'un livre. Ça ressemble vraiment à la configuration pour ceux qui ont des iPhones quand on a les boîtes courriel, en fait. Là. Donc, c'est vraiment comme ça. On ajoute des livres, ils arrivent dans notre comme boîte générale. Puis après ça, on peut mettre des étiquettes. On peut dire qu'ils sont à lire plus tard, donc dans nos piles à lire. On peut se créer une liste de souhaits. Puis, ce qui est super easy, c'est que on a la possibilité de soit créer en mode manuel un nouveau livre, ce qui est pour moi indispensable parce que quand on se base juste sur des scans, c'est facile, mais si jamais c'est pas des bases de données qui sont complètes, c'est un peu difficile pour moi. Puis des fois, on a des éditions qui sont pas nécessairement assez accessibles sur Internet. On peut choisir nous-mêmes la photo ou l'importer en ligne super facilement. Les informations sont colligées, en fait, à partir, je pense, de la base de Google. Donc, on a souvent les résumés, on a souvent le bon nombre de pages et tout ça. Fait que pour moi, c'était super facile. Ça m'a pris peut-être un 15 minutes pour rentrer toute ma pile à lire. J'ai, en fait, en maintenant, ce que j'ai vu, c'est 154 livres, je pense, quelque chose comme ça. Mais j'en ai peut-être d'autres dans mon autre bibliothèque que j'avais rangé là, mais qui ne sont pas dans mes livres à lire, que j'ai goût de lire tout de suite. Mais on verra bien si j'en rajoute un peu. Mais à mon avis, je ne dépasse pas le 200 dans les livres à lire. Mais comme je vous disais, c'était pas pour faire en sorte que je me dépêche pour les lire. C'était juste pour en avoir un peu plus conscience, pour peut-être pas acheter des doublons ou essayer de voir qu'est-ce que ça fait longtemps qu'il est là, est-ce que j'ai encore envie de lire ça. Puis en faisant ça, ben, j'en ai profité quand même pour pas ajouter des livres pour rien dans cette espèce d'application-là. Je vais faire un petit ménage. Donc, il y a quelques livres que j'avais soit reçus ou que j'avais acquis que j'ai décidé de juste pas poursuivre. En fait, je ne lirai pas puis ça ne sert à rien que je les garde. Donc, je vais peut-être les mettre en croque-livre. Puis, il y a d'autres livres que c'était des livres lus que j'ai super appréciés mais que je sais que je ne relirai pas. Donc, oui, les fameuses Witches of Brooklyn. Mais je me suis dit, est-ce que je les garde vraiment? J'ai un espace restreint chez moi. Puis, c'est vrai que je pense pas que je vais les relire. Donc, il y a des BD que je garde. Mais ceux-là, j'ai trouvé ça intéressant. Mon niveau du visuel, ça me marquait pas assez pour que je le conserve. Comme par exemple, je sais pas, les Bergères guerrières que j'ai toutes lues. J'ai trouvé il y a pas longtemps le tome 4 de la série, de la tétralogie. Puis ceux-là, je vais les garder à la maison. Mais bref, ça vous donne une idée. Ça m'a quand même permis, moi, de faire un petit on-haul d'à peu près
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de 15 livres. Puis c'est sûr que moi, je l'ai fait à peu près en continu. Donc, voilà, c'était pour l'application BookBuddy. Si jamais vous l'utilisez, dites-moi ce que vous en pensez. Juste pour information, par contre, c'est une application qui a des achats intégrés. Donc, quand on l'essaie, on est en mode essai, on peut avoir jusqu'à 50 livres. Fait que ça dépend de l'ampleur de votre pile à lire. On peut avoir jusqu'à 50 livres sans frais supplémentaires. Donc, on peut intégrer 50 livres à notre base de données. Par contre, si on veut dépasser puis qu'on veut tomber en illimité, bien, ça coûte, je pense, 7 $ en une fois. Puis c'est bon pour toutes nos... Si on l'a sur plusieurs appareils, ça va fonctionner. Donc, j'ai décidé de pas... Quand j'ai vu que c'était assez facile, j'ai testé avec une vingtaine de livres. J'ai regardé un peu c'était quoi les choix, comment ça naviguait. J'ai trouvé ça cool. Moi, personnellement, j'ai fait l'achat intégré. Mais si vous voulez juste tester, c'est le fait. J'attends votre opinion là-dessus parce qu'en fait, je ne la connais pas beaucoup. J'ai juste vu passer que beaucoup de gens l'utilisaient. Puis, je vous expliquais aussi pourquoi je n'utilisais pas Goodreads. En fait, pour moi, Goodreads, c'est vraiment juste pour mettre mes recensions, en fait, ce que j'ai lu. Je mêle pas tout avant, j'avais une application complète pour ça, puis là je trouve ça un peu compliqué. Donc j'ai décidé d'aller avec Goodreads pour qu'est-ce que je lis. Puis mon BookBuddy, c'est plus pour quand, disons, je vais en librairie ou quand je vais à la biblio, puis voir, je l'avais-tu déjà celui-là, ça fait si longtemps, c'est un auteur que j'avais que j'ai déjà un livre à lire, puis que peut-être ce serait dans une série. Donc c'est vraiment plus comme un petit outil de plus pour moi. Je sais qu'il y en a qui les ajoutent dans Babelio, je sais qu'il y en a qui les ajoutent dans Livradic. Je suis un peu mal à l'aise avec indiquer dans des applications, par exemple, comme ça, de réseaux sociaux, Goodreads, Babelio, Livradic, des livres que j'ai à la maison. On dirait que je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'est comme oui, pour moi, c'est une application de découverte, création de contenu à la limite et tout ça, mais on dirait que c'est peut-être pas l'application que je trouve la plus évidente pour gérer justement ce que j'ai en ce moment physiquement à la maison, puis ce que je voudrais potentiellement acquérir. Donc, voilà. Alors, écoutez, j'ai lu faire un commentaire si jamais vous la connaissez. Allez-y. Je vous mettrai peut-être quand même le lien en barre d'infos si jamais vous voulez tester l'application, mais je vous rappelle que ceci n'est pas un partenariat, rémunéré ou non, c'est pas du tout un partenariat. J'ai juste découvert cette application-là, puis je me suis dit que peut-être que ça pourrait être utile à d'autres personnes si jamais ça fait partie de vos besoins. Alors, sur ce, je vais mettre fin à ce super long, ce super long trait d'enregistrement. Parce qu'il faut que je poursuive ma journée, mais je vous tiens au courant de c'est quoi la lecture que je vais avoir choisie. Habituellement, ce que je fais souvent quand je vais au boulot le vendredi, c'est que je commence à peu près 3 livres audio pendant mon trajet, puis j'essaie de voir lequel finalement accroche mon intérêt, puis habituellement, je suis capable de vous en dire un peu plus quand je reviens, soit le soir ou le samedi. Donc, je vous dis à tout de suite! Et bonjour et bienvenue dans cette show de studio mobile, comme d'habitude. Alors, je vais faire ça rapidement. J'ai tout simplement réussi à choisir enfin ma lecture en cours. Alors, oui, j'ai essayé le fameux journal de scénario de Fab Caro. On dirait que ça ne m'a pas accroché dès le départ. Absolument, il y a un petit ton vraiment humoristique, ironique dès le départ. Puis là, c'était moins présent, donc j'étais pas toujours dans le mood. J'ai tenté donc de me lancer dans une série que je voulais justement essayer depuis longtemps. Donc, je ne serai pas dans une suite de série, mais bien dans une nouvelle série. Et c'est Magpie Murders d'Anthony Horowitz, qui est le tome 1 d'une série, je crois, qui est rendue à 5 ou 6 titres. Et on va y retrouver une éditrice qui s'appelle Susan Ryland, qui est une éditrice et qui a travaillé en collaboration proche avec un auteur de roman policier un peu à la Agatha Christie qui s'appelle Alan Conway. Puis elle a toujours travaillé avec lui pour, dans le fond, faire les épreuves avant que ça s'en aille en impression. Elle fait les corrections, je pense, de base ou je ne sais plus trop. Et finalement, le plus récent qu'elle va lire, qui s'appelle Magpie Murders, elle a l'impression que il est un peu différent des autres et qu'il y a des choses qui semblent être presque des choses liées au réel. Et de ce que je comprends, c'est que elle est comme consciente que peut-être finalement c'est un peu un avertissement qu'il faut qu'elle vérifie que c'est pas quelque chose qui est en train de mener à un vrai meurtre et non pas juste un meurtre de fiction. Jusqu'à maintenant, je suis un peu déroutée par la structure, mais c'est parfait. C'est qu'on va commencer avec avec l'éditrice. Et c'est vraiment drôle, là, en fait, c'est que c'est vraiment, c'est fait, Magpie Murders, on commence avec l'éditrice qui va ouvrir le manuscrit du livre qui s'appelle Magpie Murders. Et là, ensuite, on arrive avec le fameux Magpie Murders de l'auteur qui est mentionné en quatrième de Alan Conway.
qui est donc déjà une mise en abîme. Puis c'est vraiment comme si on lisait le livre. On a les About the Author, les autres de la même série. Et là, on va commencer l'histoire. De ce que je comprends, c'est qu'on va finir par alterner entre le contenu du roman de Alan Conway et éventuellement revenir potentiellement à l'éditrice dans la réalité. Donc, à date, la structure m'intrigue pas mal. Je sais pas trop où ça va mener, mais j'ai pas envie de le découvrir. Alors voilà, je me suis lancée là-dessus. Spontanément. Et puis, je vous en reparlerai un peu plus au fur et à mesure de ma lecture. À bientôt! Et bonjour! Alors, je vous reprends en ce dimanche. Soudainement estival après quelques jours d'automne. classique. Alors, pour vous parler légèrement de ma lecture en cours, mais bref, je continue encore Magpie Murders. Donc, je lis en audio, je lis beaucoup en numérique, mais j'aime bien avoir la version papier pour savoir où j'en suis. Donc, j'ai lu ceci et il me reste ceci à lire. Donc, j'en suis presque à la moitié, là, 200 pages, 213 sur... Ah oui, c'est ça, c'est qu'il y a deux livres, c'est ce que je comprends. Donc, comme je vous disais, c'est une structure particulière, il semble y avoir vraiment deux parties. Donc, la partie qui est l'éditrice qui lit le manuscrit de l'auteur Alan Conway, je crois. Et ensuite, on a comme le roman complet d'Alan Conway, et je crois que ensuite, on va retourner dans le fond à l'éditrice. J'ai presque terminé le livre de Alan Conway, qui, je dois vous dire, même si c'est une mise en abîme, un livre dans un livre, c'est un excellent oudonite. Je me doute qu'on va ensuite utiliser ça pour poursuivre l'intrigue parce qu'il semblerait qu'il va peut-être y avoir des pistes qui font en sorte que c'est peut-être pas juste de la fiction, c'est ce que je semble comprendre de la quatrième. Mais sinon, c'est vraiment c'est vraiment un auteur qui reprend tous les codes d'Agatha Christie. Son enquêteur s'appelle Atticus Pond. C'est un grec-allemand qui a fui l'Allemagne alors qu'il y avait la Seconde Guerre mondiale et qui était policier en Allemagne et qui a fini par devenir détective privé une fois arrivé en Angleterre. Donc, vous voyez vraiment les parallèles. Puis, il y a même des petites allusions, en fait, à Agatha Christie ouvertement. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment à date un roman dans un roman. Donc, c'est comme si on est vraiment en perspective particulière en ce moment, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'à date, on le lit au complet, puis ça se tient. Là. C'est, en soi, ça pourrait être vraiment un roman qui est mis sur le marché maintenant. Là. C'est même de meilleure qualité que certains romans supposément égaux à Agatha Christie qui ont été récemment publiés. Donc, je trouve ça très drôle. Donc, j'en suis là. J'ai hâte de voir ça va être quoi finalement le revirement de situation. Qu'est-ce qui va se passer avec ce manuscrit-là dont le lecteur va avoir pris connaissance et l'éditrice qui est dans l'autre partie du roman également, puis qu'est-ce qui va se passer par la suite, je vous tiendrai au courant. Mon objectif, c'est de terminer avant demain après-midi, donc avant la fin du vlog pour pouvoir vous en parler. Sinon, je suis allée à la bibliothèque et j'ai vu par hasard, en fait, qu'on avait reçu le tome 3 je pense que c'est une trilogie. La trilogie de Elle, de Kit Toussaint et Abeline Stockart. Donc, le tome 3 s'appelle Pluriel. Pour rappel, Elle, c'est une fille qui semble être un peu comme les autres, mais finalement, qu'on réalise qu'elle a 5 personnalités. 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'imagine. Et ses personnalités sont un peu des morcellements d'elle-même. On va finir par comprendre que c'est lié potentiellement à un événement de son passé. J'en dirai pas trop si c'est un tome 3, mais j'avais lu les tomes 1 et 2 et j'avais beaucoup aimé. Ça fait longtemps que j'ai pas lu le tome 2. Ça se peut que j'aie besoin de lire un résumé divulgateur pour essayer de me... Je voulais essayer de prendre le tome 1 et 2, mais il était pas disponible quand j'ai vu la nouveauté. Donc, je vais prendre celui-ci puis je vous en parlerai si je le lis, mais il va falloir quand même que je me remette un petit peu en contexte parce que je pense qu'il y a des subtilités du tome 2 dont je me souviens pas, puis je crois que j'en aurai besoin pour le tome 3. Alors, ceci. Et sinon, j'ai fait vite, hein, je devais pas parler la semaine passée dans le dernier vlog que j'ai failli m'acheter un Brian Sesnick quand je suis allée chez Indigo, mais que j'avais résisté vaillamment. Et j'ai décidé de le commander sagement en prêt entre bibliothèque. Donc, c'est le fameux Big Tree de Brian Sesnick. Je sais pas si je peux donner des exemples, mais je vous disais qu'il y avait des... C'est un roman illustré, mais ça alterne la narration. Je vais essayer de vous montrer comme ça. La narration visuelle et textuelle. Je vais pas vous divulguer, je sais rien. Je suis vraiment pas une bonne manipulation.
Donc, vous voyez. Fait qu'absolument, Brian Sesnick est vraiment un pro là-dedans. Souvent, on va suivre même en double temporalité la narration textuelle et souvent une temporalité puis la narration visuelle une autre. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans celui-là. Comme je vous disais, ça faisait référence à une aventure qui avait rapport avec Sauver la Terre, je crois. C'est ça. C'est vraiment des semences, en fait, qui sont interpellées pour essayer d'aller sauver la Terre. Et là, je pense que les semences ont des noms. Donc, c'est Louise et Merwin. Are Sycamore Seeds. Donc, c'est eux autres, les héros. Et puis, elle va se rendre compte que finalement, leur mission est assez... quand elle va se faire réveiller par sa maman arbre. Puis quand elle va se faire réveiller, elle va finir par comprendre que finalement, peut-être que sa mission est plus grande que ce qu'elle croyait. Donc, j'ai vraiment hâte de voir Brian Sesnick. C'est toujours un délice. J'en ai demandé un autre d'ailleurs, mais je ne l'ai pas encore reçu. Alors, voilà. Et sinon, je suis passée à la poste et il y avait du courrier que j'ai préouvert. Mais en fait, c'est Atelier 10. Habituellement, je reçois ça. C'est mon abonnement pour... les documentaires qui sont dans la collection de documents. Alors, cette fois-ci, c'est « Les engagements ordinaires » de Milka Abdel-Moumen. Donc, lutter de mère en fille. J'ai oublié la quatrième, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent pas cette collection-là, c'est une collection habituellement de courts documentaires d'environ 100 pages qui sont mis de l'avant sur différents sujets par des personnes qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de ces sujets-là. Donc, c'est intéressant parce que c'est toujours... leur propre tour d'horizon de cette situation-là. Ils font leur raisonnement et tout ça. Des fois, ça peut être autant des raisonnements qui sont assis sur des bases théoriques ou juste une expérience humaine. Il y en a eu un, entre autres, mémorable sur la mémoire par Raphaël Germain. Elle parlait de l'expérience qu'elle a eue quand son père a perdu la mémoire. Et puis, bon, celui-là, je vous lis la quatrième. Dans l'ombre des figures de proue du militantisme et des meneurs, le plus souvent masculins, dont se souviennent les livres d'histoire, une foule d'anonymes rend possible la réalisation des grands changements. À travers l'histoire de l'engagement ordinaire des femmes de sa lignée, Milka Abdel-Moumen rend hommage au côté souvent très prosaïque de l'élan militant. Elle réfléchit à ses motivations, à ses implications, à ses insuffisances et à ses paradoxes. De Saguenay à Montréal, en passant par les squats des banlieues de Lyon, se tisse la toile qui la relie à sa grand-mère, à sa mère, mais aussi à cette majorité silencieuse qui, à la faveur d'une conjoncture, d'un état d'esprit, d'une rencontre marquante, a un jour, sans faire de bruit, basculé dans l'engagement. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. J'avais lu, ben, c'est pas pareil, là, mais c'était le Catherine de Rion, je crois, qui était aussi, qui faisait, elle, plus un parallèle avec, je crois, la passion, puis l'élan. Un peu sexuelle, puis la lutte militante, entre guillemets, ça a peut-être mal résumé, mais je me souviens plus du titre, je vais vous le mettre ici. Et puis, bien, celui-là, dans le fond, ça a l'air vraiment intéressant, donc je vais peut-être me le garder pour tout bientôt. J'en ai plusieurs de non-lus dans ma bibliothèque, là. C'est juste que ça dépend des sujets, il faut que le sujet m'intéresse, mais je les conserve toujours, parce que même si c'est des sujets avec lesquels je suis moins familière, je trouve que c'est vraiment une excellente porte d'entrée, donc voilà. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, puis je vous reprends quand je peux, au fil de mes pérégrinations. On sait déjà qui a fait quelque chose. Après, vous voir comment il va être pensé et tout ça, mais mis à part ce tome-là, sinon, ça va être toujours le cas qu'on a un dénouement de folie. Je suis tombée sur l'entrée du chapitre 1 avec James. C'était absolument pas prévu, mais je sais pas, ça me faisait envie, j'avais envie de envoyer son manuscrit pour le prix du livre romantique, le prix du livre romantique 2020. Et donc c'est un petit livre parce que je pense que quand on envoie son roman à un prix, il y a des conditions à remplir. J'imagine qu'il y avait un nombre de pages et puis il fallait forcément que ce soit le prix du livre romantique, donc il fallait qu'il y ait un peu de romantisme. Hey, coucou! Alors écoutez, je vous reprends, on est lundi après-midi. J'essaie vraiment de finir mon livre, je suis complètement plongée dans le fameux livre de Anthony Horowitz, donc le Magpie Murders, et c'est excellent. C'est juste que c'était quand même un pas pire pavé, donc je vais l'avoir terminé avant ce soir, mais j'aurais aimé ça l'avoir terminé avant que mon chéri revienne du boulot pour que je puisse vous en parler et éclairer le vlog, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Donc je pensais quand même vous reprendre pour vous montrer deux petits trucs. Hier, j'ai eu un petit cadeau de mon amoureux
pour des raisons personnelles et j'avais comme des espèces de... J'ai comme réussi à être déterminée sur un truc, puis il voulait récompenser ma détermination, disons. Et il m'a dit la chose que n'importe quelle personne qui adore les livres voudrait entendre, c'est tu peux te choisir n'importe quel livre et je vais te l'acheter. Là, j'étais tellement prise par surprise qu'en vrai, je savais plus trop où aller. Mais finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter, parce que ça m'intriguait gros, je l'avais vu passer aussi à la Bibli, la version langue originale d'une nouveauté qui est parue il n'y a pas très longtemps chez Alto, c'est-à-dire en version française, La Messagère de Thomas Wharton, publiée en français chez Alto, mais celui que j'ai acheté, c'est la version originale, donc The Book of Rain, et c'est publié chez Random House Canada. Donc, je vais peut-être vous lire la quatrième en français, c'est peut-être un petit peu plus simple, puis on va pouvoir continuer après. Alors, ce que ça dit, La Messagère, alors c'est... La ville minière de River Meadows est l'une des seules au monde à produire du minerai fantôme, une nouvelle source d'énergie valant 28 fois son poids en or. Mais l'extraction de la matière est aussi liée à des glissements dans le temps et l'espace qui rendent le secteur inhabitable. Après l'évacuation de la ville, toute la région est bouclée. Dans cette zone interdite surnommée le parc, un frère défie les lois de la physique afin de retrouver sa sœur pendant qu'une trafiquante d'animaux en voie de disparition se retrouve face à un choix qui altérera le cours de son existence. Et, dans un futur aussi lointain qu'un mythe, les oiseaux entreprennent une dangereuse mission afin d'empêcher l'extinction de leur vieil ennemi, l'humain. La Messagère est un suspense écologique émouvant, où se déploie la sagesse millénaire de la nature et les difficiles contradictions de notre présence sur la planète. Un roman obsédant, vaste comme le monde. Ça a l'air intéressant. Donc, puis je me rends compte que même en lisant la quatrième en anglais, j'avais peut-être pas saisi toute la nuance parce que c'était des termes, pour moi, la source d'énergie minerai fantôme. Je pensais même que c'était une source d'énergie. Bon, je sais que ça s'appelait Ghost. Ghost en anglais, ça s'appelle Ghost Ore. Mais je pensais que c'était comme un terme d'une. qu'il y avait une substance qui s'appelait comme ça, même si c'était pas une vraie substance fantôme. Et là, je me rends compte que non, en fait, c'est un portail, c'est une substance qui fait en sorte qu'il y a un portail sur dans une faille dans le continuum espace-temps qui se crée, fait que c'est encore plus dans ma table. Mon Dieu, je l'avais pris sans même nécessairement, mais bref. Alors voilà, ça, c'est ce que j'ai eu hier. Je suis vraiment contente. Donc, il joint ma pile à lire. Et sinon, je l'avais vu passer chez Petite Lectrice, je crois. Et je savais pas si ça allait se rendre au Québec, parce que souvent, les hors-séries comme ça de magazines européens, non. Puis je m'étais résignée à potentiellement le consulter plutôt en ligne, en fait en version numérique, mais il y avait le spécial Le Monde, la vie, destin d'exception sur Agatha Christie, nul autre que La Reine du Crime. Et puis mon copain me l'a acheté en plus, donc c'est sûr que je connais très bien sa vie, donc je ne sais pas si je vais en apprendre beaucoup, mais je trouvais de qualité. C'est sûr que là en plus c'est Le Monde, donc on est vraiment dans une perspective un peu différente. Je m'attends en tout cas à ça, je vais voir si c'est si mes attentes vont... va être justifié, mais en plus à la fin on a même pour aller plus loin, donc avec non seulement ses œuvres de fiction, mais la plupart des biographies qui ont été faites à son sujet, ouais, des fictions biographiques, jeunesse, etc. Donc c'était pas donné, mais quel beau cadeau encore une fois. Donc ben voilà, c'est ce que j'ai eu pour récompenser ma détermination. Alors voilà, je suis bien contente. Et sur ça, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à aller lire des fois que j'aurai peut-être le temps de terminer avant que la lumière s'en aille et que mon amoureux revienne du boulot. Puis sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais clore le vlog potentiellement demain. De toute façon, ce soir, j'avais déjà planifié de lire potentiellement peut-être une BD ou deux, ou alors le tout récent Brian Selznick que j'ai reçu, Big Tree, que je vous ai montré. Donc, je vais lire. Fait que de toute façon, j'aurai de toute façon à vous revenir pour vous faire un petit compte-rendu de lecture, mais voilà. Alors écoutez, je suis désolée à l'avance pour ce que vous devez entendre, je suis encore à l'heure du tondage de gazon, donc je vais faire ça le plus court possible pour pas que ça vous dérange. Alors on se dit à tout de suite! Thank you.
Cet éclairage moelleux de fin de soirée avec une belle petite texture là, d'éclairage douteux. Je vous reprends parce que finalement j'ai terminé le fameux Magpie Murders in extremis, mais ma foi, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment surprenant. C'est très, très, très habile comme plume. J'en ai quand même pas mal parlé, donc je vais pas pouvoir beaucoup continuer parce que c'est sûr que sinon je vais dévoiler trop de l'intrigue, mais je peux vous dire qu'à partir du moment où, comme je vous expliquais, on semblait revenir après le plongeon dans le fameux roman de Alan Conway, que l'éditrice Susan Ryland en fait doit lire ce manuscrit-là, puis une fois qu'elle a et qu'on est plongé dans ce manuscrit-là, on va revenir à elle parce qu'en fait, elle va réaliser qu'il manque les derniers chapitres. Donc, pour un whodunit, manquer les derniers chapitres, c'est un petit peu la fin de la possibilité de ce livre-là d'être publié. Et ensuite, on va la retrouver, justement, essayer de retrouver ces chapitres-là. Et au fur et à mesure de son enquête, elle va également se rendre compte que finalement, il semble beaucoup y avoir de similitudes indirectement avec le livre et un événement majeur qui va se passer tout juste après notre retour dans la réalité. Et ce que je peux vous dire, c'est que vraiment le point fort de ça, c'est... il y en a plein. Les personnages, on s'y attache vraiment rapidement. Bon, on s'y attache. Il y en a qu'on aime détester, mais on s'y attache vraiment rapidement. L'habileté avec laquelle l'auteur a saisi tous les codes du whodunit, c'est un peu un hommage à Agatha Christie. Un hommage... dans lequel il va quand même taquiner gentiment, parce que c'est sûr que ça met quand même en lumière le côté les rouages, les stratégies, mais c'est super intéressant, c'est presque même un peu un essai sur la structure du whodunit indirectement, qui se glisse à travers la fiction. Et j'avais peur un peu qu'en voyant les rouages, ça fasse en sorte que ça donne moins envie d'en lire, mais non, en fait, c'est super intéressant de voir que c'est une formule, mais c'est une formule... tous les codes sont nécessaires pour que ça fonctionne, donc vraiment intéressant. Et je me rends compte en fait que c'est vraiment les whodunits qui me plaisent, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec Agatha Christie. Pour ceux qui ça ne dit rien, mais les whodunits habituellement, c'est que il va y avoir un meurtre, ça se passe quand même un peu dans le passé, dans celui-là, celui le premier de Alan Conway, le manuscrit se passe dans les années 50. Et le lecteur est laissé, suit l'enquêteur, ou qu'il soit amateur ou pas, ou détective, ou juste quelqu'un qui est là puis qui va essayer de faire avancer les choses. Et il va être un peu laissé dans le noir volontairement de certains détails. Il va avoir plusieurs petits indices qui vont être semés. Puis c'est juste à la fin, lorsque la personne qui a mené l'enquête va enfin révéler son raisonnement. Finalement, on va tout comprendre c'est quoi. Puis la plupart du temps, c'est pas vraiment possible pour le lecteur de trouver qu'est-ce qui s'est passé parce qu'en fait, il y a des détails qui lui sont pas fournis. Donc, dit comme ça, ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment excellent. Donc, écoutez, j'ai vraiment aimé ça parce que, comme je vous dis, les personnages sont super bien construits, on s'y attache. Le fait que c'est ça, il y a une bonne étude de la structure, donc c'est intéressant pour quelqu'un comme moi qui aime les whodunits, qui a grandi dans l'Agatha Christie, c'est intéressant de premièrement quand on lit la partie du roman. Je vous avais dit que c'est quasiment meilleur que certains whodunits qu'on voit sur le marché, et c'est vrai. L'auteur Anthony Horowitz a tellement maîtrisé les codes qu'il a comme réussi que son personnage Alan Conway crée quelque chose de
comme un hommage parfait. Mais quand on avance dans l'histoire, on comprend un peu plus, encore plus pourquoi c'est comme ça. Donc, je vais en parler pas plus. Puis sinon, la structure du récit est définitivement là, un roman dans un roman. C'est sûr que quand on voit ça, puis avec ce qui est un peu dit dans la quatrième, on se doute que ça va potentiellement arriver. Mais pas à ce point-là. C'est vraiment, on a vraiment la moitié du livre qui est consacrée au manuscrit et puis l'autre moitié qui nous ramène dans la réalité. Mais on perd pas de vue quand même le manuscrit. Donc, c'est excellent. Je pense qu'il y a un deuxième tome qui a été fait. J'ai mélangé cette série-là avec une autre série qu'Anthony Horowitz a faite, qui était, je me souviens plus c'est quoi le nom de la série. Mais je vais peut-être mettre au moins la vignette du tome 1. Mais bon, c'est ça, dans le fond, puis je pensais que c'était vraiment une longue série de 6-7 tomes, mais non, en fait, celui-là, c'était comme un peu un tome unique. Finalement, je pense qu'il y a un deuxième tome qui est sorti, mais en soi, c'est un roman complet, là. Je veux dire, ça, on passe par toutes les émotions. La fin m'a un peu... j'étais complètement soufflée par la fin, j'avais pas vu venir du tout, donc c'est un vrai whodunit, le double... l'espèce de roman dans un roman, même si c'est le grand roman global de réalité, ça reste un principe de whodunit. Et pour moi, c'était la fin, la chute était parfaite, mais il y a comme eu un petit genre d'épilogue non officiel à la fin. Ça, peut-être ça m'a un tout petit peu moins plu, mais c'est tout. Fait que c'est juste ça qui m'a séparée du coup de cœur. Sinon, vraiment, j'ai adoré ça. C'est tellement bon. Puis il a été traduit en français, donc je vais vous remettre en coup aussi la vignette de la traduction en français. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a de l'air en traduction, mais sincèrement, juste pour ce principe-là, je ne sais pas, j'ai jamais vu quelque chose comme ça, mais là, ça doit exister, là, mais moi, c'est la première fois que ça croise mon chemin de lectrice, puis je suis complètement sous le charme, donc vraiment, quelle belle découverte que ça. Ça fait longtemps que j'attendais, puis je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, mais voilà. Donc, lecture. Et ensuite, j'ai fini par faire également la lecture de deux graphiques que j'avais vu passer chez, je crois, en premier, Le Souffle des mots. Oui, qu'ils avaient reçu, je pense, en service de presse. Puis ça m'intrigue depuis tout ce temps-là. C'est juste que les autres en Europe, ça fait longtemps que c'est sorti. Nous autres, ici, ça vient pas mal, c'est récent quand même quand c'est arrivé ici. Et c'est une série, je pense que ça va être une tétralogie, là. Je ne sais pas s'il va y avoir 4 tomes, mais c'est chez les humanoïdes associés. Puis c'est la série Les Fées Sixties, en fait. Je vais vous montrer. C'est ici. Oups, je m'excuse pour la ring light, on est le soir, fait que je vais... comme ça. Donc, Les Fées Sixties, c'est une série. Là, à date, ici, j'ai volume 1 et 2. Puis ce qui les caractérise, c'est qu'il va avoir un contexte de base commun. Donc, ça se passe à Londres, en Angleterre. Dans les années 60. Puis à ce moment-là, c'est dans le fond le Swinging London et tout ça qui va se passer. Puis on est dans un monde où les humains et les fées cohabitent. Donc voilà, les fées avec leurs ailes, n'est-ce pas? Et par contre, même s'il y a une cohabitation entre les humains et les fées, ça se passe pas toujours. En fait, ça se passe que très rarement avec douceur. Et on va dans le fond. Rencontrer les graphiques vont raconter deux histoires. Dans les deux cas, c'est des espèces d'enquêtes. Donc, dans le premier, c'est les disparitions d'Imbolc. Voilà ici. Et on va y retrouver une jeune femme qui va débarquer à Londres pour devenir journaliste et parce qu'elle essaie de justement prouver que les fées enlèvent des humains. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait des disparitions qui avaient lieu lors de une fête, je crois, païenne, Imbolc, le jour d'Imbolc. Et elle va essayer de prouver ça parce qu'elle sa mère a disparu, puis elle essaie de prouver que c'était les fées qui l'avaient enlevée. Et, écoutez, elle va croiser le chemin potentiellement d'une fée. Dans ce monde-là, les fées n'ont pas de genre en particulier, donc en fait, ils sont à la fois... femelle et mâle ou toutes ces réponses en même temps. Donc, c'est pas... Donc, je dis une fille, mais en fait, là-dedans, c'est pas clair si c'est pour ceux qui s'attendent vraiment à avoir un genre défini. C'est pas vraiment le cas. Donc, elle va rencontrer une fille qui est bannie de Avalon et qui va essayer de l'aider justement dans sa quête. Et voilà. Donc, ça va vraiment être sous forme d'enquête.
dans un monde où la tolérance n'est pas trop là, on est quand même un petit peu plus... Je vais peut-être essayer... De... Je vais peut-être pas pouvoir vous montrer tant d'images parce que je dois vous dire que ça m'a un peu surpris. Mais ça m'a pas choqué, mais ça m'a un peu surpris. Mais il y a quand même la nudité là-dedans. C'est correct, là, c'est pas gratuit. Juste parce que c'est sûr que sur YouTube, je peux pas vraiment montrer ça. Mais mettons comme ça ici, ça peut être comme ça. Donc on est vraiment dans ce style-là. Peut-être plus comme... Ouais, comme ça. Mais on le voit bien aussi sur la quatrième, le style graphique. Donc, ça ici. Puis, c'est intéressant. C'est une bonne enquête. Ça se termine un peu sur une fin ouverte. On n'est pas trop sûr. C'est comme si ça boucle la boucle, mais pas totalement. Puis, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, la caractéristique, la seconde caractéristique de cette série-là, c'est que ce sont des tombes qui vont se situer dans le même contexte, mais sont faites par des artistes différents. Donc, celui-ci, c'est Maro et Macaillonné. Donc, autant le scénariste, le ou la scénariste, que le ou l'illustratrice, c'est différent du deuxième tome. D'ailleurs, on va le voir. Dans le deuxième tome, on est vraiment plus dans un genre presque art nouveau. Je vais vous montrer un qui fait plus art nouveau. Là. J'ai fallu que je demande à mon amoureux parce qu'il est plus calé que moi en courant artistique. Mais comme là, je pense qu'on le voit un petit peu plus sur cette planche-là ici. Ça ressemble presque aux affiches de la bière de la Meuse. Donc... Voilà. Donc, dans ce second tome-là, c'est l'Ange de Manchester. Donc, ça se passe à Manchester, pas nécessairement à Londres. Et on va y retrouver une fée qui s'appelle Anan. Ça va être l'inverse. Dans le premier, on voit une humaine qui essaye de prouver que les fées enlèvent des humains et qui va rencontrer une fée et ça va peut-être changer sa vie. Et dans celui-là, on va rencontrer une fée qui décide de quitter le monde des fées pour devenir une chanteuse populaire dans le monde des humains. Et ça va pas exactement se passer comme elle veut. Dans le deuxième tome, puis c'est ce qu'elle avait dit, le souffle des mots, puis je suis bien d'accord, on est vraiment plus dans le sombre. Donc, c'est une cohabitation qui se passe absolument pas bien. Il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence faite aux femmes et aux filles. Là, quand je dis violence, je veux dire violence physique, torture, potentiellement viol. On le voit pas, mais on comprend que c'est là. On est vraiment dans un quartier qui est rough puis pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, cette fille-là, Anand, va rencontrer une humaine qui s'appelle, je me souviens plus son nom, Amy. Amy? Non, pas Amy. Ça, c'est sa sœur. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Bref, elle va rencontrer une humaine qui va un peu lui sauver la vie parce que, bon, quand elle va arriver là, elle est un petit peu naïve, elle s'en va dans les bas-fonds pour devenir une vedette, puis elle va se faire tout de suite, Anand, elle va se faire tout de suite harceler, puis elle risque de se faire attaquer, puis elle va être sauvée in extremis par cette jeune femme-là qui s'appelle, ça m'énerve, je vais absolument trouver son nom, Stella. Stella! Donc, Stella. Qui va la sauver. Donc, ce qu'on va trouver là-dedans, c'est ça. Ça va vraiment être sa quête de... Elle va vouloir devenir une star. Elle va rencontrer Stella. Et il va y avoir une belle connexion qui va se passer entre eux deux. En fait, l'amour va arriver de façon inattendue. Par contre, il va y avoir en parallèle, dans Manchester, des disparitions qui vont arriver. Des jeunes qui ont toujours un peu le même profil, puis qui vont être finalement jamais retrouvés. Et on se rend compte qu'en fait, il semble avoir vraiment un duo de criminels violents et violeurs. Et puis, dans le fond, Stella va malheureusement faire la rencontre de ce duo-là involontairement. Et Anand va partir à sa recherche et à son secours. Et ça va se passer de façon assez violente pour elle, mais... Bref, ce que je trouve là-dedans, c'est que c'est vraiment un côté très sombre, mais en même temps, on voit que l'essentiel qui est la solidarité et l'amour va comme rester, mais on n'est pas dans le cucu rose bonbon. Donc, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si je vous en parle bien, mais ça m'a surpris. Je ne savais pas trop comment entendre. J'avais peur de ne pas trouver ça chouette parce que ce n'est pas les mêmes duos d'artistes. Et finalement, c'est très différent, mais j'aime beaucoup. Puis, le fait qu'on n'a pas les mêmes personnages, mais qu'on a le même contexte, c'est intéressant de voir les visions. Dans le premier, on est un petit peu plus dans le... Bon, c'est des disparitions, mais on est plus comme dans le fantastique Avalon, presque Marion Zimmer Bradley, mais qui se passe dans un monde où il y a des humains également. Alors que dans le deuxième, on est vraiment comme dans le côté sombre de cette face-là, involontairement. C'est pas que les personnages se connaissent pas, là, c'est pas ça. Mais justement, on va vraiment être dans le côté
le monde des humains glauque, violent, qui est intolérant et tout ça. Puis les personnes impliquées, les héros et héroïnes, ne vont pas nécessairement en sortir indemnes. Donc, vraiment une belle découverte. J'ai super hâte de lire les deux autres. Comme je vous disais, la seule chose, c'est que c'est sûr que là, je vous dirais que, bon, moi, je serais en bibliothèque. Je suis contente de voir que ça a été mis en adulte. Simplement parce qu'on est, il y a un peu de nudité, mais c'est vraiment pas explicite, là. C'est juste que je préfère le mentionner ici. C'est sûr que c'est peut-être pas les meilleurs BD, mettons, à être en milieu où est-ce que, bon, il pourrait avoir des armes froissables. Mais c'est excellent. Je trouve que c'est une super belle proposition. C'est sûr que le fait que ça soit comme chaque histoire, c'est une histoire par tome, ça va quand même assez vite. Donc, j'en suis venue à me dire que j'aurais peut-être aimé ça qu'il y ait un développement un peu plus lent, mais ça fait partie du jeu. Donc, je suis prête à accepter ça dans le sens où c'est ça l'idée, c'est que ça, c'est une série qui s'appelle Les filles des 60s, puis ça nous permet de voir ce contexte-là, cette prémisse de base-là. D'ailleurs, je vais peut-être vous le relire, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Ah, mais c'est pas exactement la même description. Eh hey, bien, coudonc, tardivement, je vais vous lire les quatrièmes de couverture parce que je pense que ça pourrait peut-être vous aider. Donc, le premier tome ici, c'est le même début pour les deux. Le premier tome, ce serait Angleterre, années 60. Alors que Londres fait sa révolution culturelle à travers le Swinging London, les fées sortent de leur forêt millénaire. D'étranges disparitions surviennent le jour d'Imbolc, une cérémonie païenne ancestrale, et sèment la panique. Le battement d'ailes d'une fée dans sa forêt peut-il causer un raz-de-marée à Londres? Donc ça, c'est le premier, l'affaire des disparitions, que c'est une humaine qui a perdu sa mère en disparition puis qui veut prouver que les fées enlèvent des humains et qui va rencontrer une fée qui va peut-être changer un peu le cours des choses. Et dans le second tome, la quatrième se lit comme suit. Angleterre, années 60, donc le début pareil. Alors que Londres fait sa révolution culturelle à travers le Swinging London, les fées sortent de leur forêt millénaire. Attirée par les lumières de Manchester, Annan fuit sa forêt natale pour accomplir son souhait le plus cher, devenir chanteuse. La poursuite d'un rêve vaut-elle de s'y brûler les ailes? Donc, voilà. Au moins, là, vous avez la quatrième. Mais bref, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même assez court. Faut pas s'attendre nécessairement à ce que ce soit très développé, mais je pense qu'on s'attache quand même assez bien aux personnages. C'est des personnages principaux forts, les secondaires sont vraiment moins développés, mais je trouve que c'est une super belle proposition quand même. Alors sur ce, écoutez, ce que je vais faire, c'est que, étant donné qu'on n'a pas l'éclairage, j'ai déjà fait un super long bout, ça paraît que je suis en fin de soirée, j'arrive moins à être succincte. Mais je vais terminer le vlog ici, donc j'espère que cette semaine de lecture vous a plu. Vous n'hésitez surtout pas à vous manifestez en commentaire si ça vous dit, si vous avez envie de me jaser ça, comme on dit. Et bien, si vous voulez me soutenir, comme toujours, évidemment, pouce en l'air, abonnement, mais aussi partage sur les réseaux pour essayer de me faire connaître peut-être à des gens qui auraient envie de discuter de lecture également. Ça va me faire plaisir de faire leur connaissance virtuellement. Et c'est ça, d'ici à ce qu'on se revoit, j'espère que vous allez faire des belles découvertes livresques. Et puis, on se dit à la prochaine!